Bon, alors, du coup, il y a Lulu et One Shooter qui vont arriver pour le prochain. La présentation du bracket, elle évolue comme ceci. Et derrière, on va partir directement sur Lulu One Shooter. Donc, qui est-ce qui va rejoindre Stevix en quart de finale de ce Salty Duels? Bah, on va le savoir tout de suite. Right, I've got to show you guys. I'm in Pro League. Lulu, tu m'entends? Oui, je vous entends, patron. Ah, merci infiniment. Bien ou quoi? Ouais, ça va. Un peu stressé. Alors, mais ça attendez. Va. One Shooter, tu te sens chaud? Ouais, ça va. Comme je disais, j'ai tiré. Enfin, je pense pour moi avoir tiré le match-up le plus compliqué dès le début. Donc ça va être attends. Mon loulou. Bibou face à Skok. C'est pas mal compliqué pour lui aussi. Ah oui, non, mais quand je veux dire, c'est. Autant pour moi, je me reprends. Le match-up le plus équilibré, parce que je connais bien Lulu. Ouais, clairement. Je pense, honnêtement, quand j'ai vu le. Quand je voyais le random se faire, j'ai trouvé que c'était plutôt fair. À part le Skok Bibou, parce que Skok, ça fait quelques temps qu'il n'a pas eu trop le temps et de jouer à Rainbow. Et Bibou, bah, il est pro, donc c'est un peu son boulot, oui, voilà, j'ai envie de dire. Autant vous deux, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Let's go. Alors. Le mind game. Là, t'as deux joueurs qui jouent beaucoup plus que Stevix, je sais pas trop. Mereziak joue pas énormément à l'heure actuelle. En revanche, là, Lulu, chez Youngtis et One Shooter, ça joue. Qui vous pensez va l'emporter aujourd'hui? Honnêtement. One Shooter, Lulu, Bibou, One Shooter, Mary, Bibou, Mary, Skok, Kalel. Mary, ouais non mais Mary les gars vous avez fumé du crack ou quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Dites non à la drogue hein. Alors, on va voir un peu One Shooter. Oh Lésion. Lésion c'est bien. Donc on le rappelle, 0-0, pas de level de différence, pas de handicap. Emplacement du conteneur radioactif inconnu. Vous pouvez attaquer. Oh le petit moins 10 là. Je la sens, la pression. Oh les cams. Oh les cams, Lulu. L'erreur. Il le sait. Le main. Oh. L'énorme travers de One Shooter sur Lulu. Oh. Allez, premier round demi, level 1, pas de cam, pas de drone. Ok, autant pour moi. Et du coup, on vous donnera, eh bien, oh, le petit bullet hole. Oh. Hey, Rota. Ok, ici où je suis. Il a le droit d'utiliser. Oh. J'aurais pas pris une gridlock moi. Tu peux prendre des gadgets plus chiants quoi. Une Doka Ebi. Une Doka Ebi, un truc qui spot le mec quoi. Un lion. Un shield. Un shield face à un mec qui prend un doc. Oh, il le sait qu'il est rentré. Le bomb site est conteste. Ça va jouer maintenant. Ouais, forcément, il prend des balles énormes en dessous. Et là, ça va être la fin pour One Shooter, je pense. Il est à 2 HP à moins de décoller. Une énorme tête. Faire le glitch. Et peut-être que ça va se faire. Le glitch, pardon, on peut plus monter sur la voiture. Ah. Et après, c'est conteste. Hein. Oh. Le drop shot qui passe sous la voiture. Conteneur radioactif localisé. Ah, le petit écho, hein. Ça passe bien, écho.
très bien joué de sa part à lui. Et la M14. Ah, dommage de la part de Wanchu. Putain, je pense qu'il aurait pu utiliser son... Oh, je pense qu'il aurait pu utiliser mieux ses drones. En tout cas, Lulu qui prend l'avantage. Ça se joue, ça se joue, ça se joue. Ça se joue bien. Il a gagné en bas, donc il va être au top normalement. Et de l'autre côté. Ah, ils sont là. Oh. What? Oh. Il m'a bait, non. L'enfoiré. Le petit bait. Là, j'ai voulu le bait. J'ai voulu le bait à la grenade. Alors, c'était ballsy de ma part pour être de bait ce genre de joueur, parce que ça c'est quand même un joueur qui a quand même de l'efficacité. En gros, j'ai voulu le bait en envoyant une première grenade, parce que normalement, je me suis dit, contact à mon drone, première grenade, quand je la découpille, il sort. C'est ce que font la plupart du temps les joueurs e-sport, etc. Donc je me suis dit, bah, il sort. Et finalement, non, il a attendu la deuxième, ce qui était plutôt pas mal. Ah, j'aime bien le sale petit duel, en fait. Il faut qu'il en passe plus souvent. Allez, One Shooter qui repart sur son lésion. Et on a Lulu qui part sur sa M14, bah, pareil que tout à l'heure, sauf que effectivement on a trade l'écho pour Alésion. Oh, les petits punchos là. Oui, ça j'aime bien. Mais je suis un abruti. Si, tiens, ça il te rappelle pourquoi je fais ça. J'ai une moule. Oh, One Shooter, bah ouais, là il s'est fait un petit peu surprendre, effectivement. Il s'est fait un petit peu surprendre par la rapidité d'exécution du joueur Yungti. Ça fait 3-2, c'est très serré. Je pense pas qu'il va garder écho. Je pense pas qu'il va garder écho parce qu'il a le malus des cams de mémoire. Ah ouais, pas de cam. Vas-y, t'as oublié. Il est en bas. Et il m'a pris un perso assez OG, le connaissant. Je me suis fait counter moi-même, genre je me suis autoken. Allez, on va suivre ça. Ah ouais, bien, ça c'est bien. Parce que s'il l'entend en bas, très très bien joué de la part de Lulu. Ça va faire perdre du temps. Y'a rien de plus flippant. Hop, tout à l'heure c'était rapide, bah alors là, boum, je rentre. Terminé. Très bien joué de la part de One Shooter. Extrêmement bien joué de la part de One Shooter. C'est méga serré. Franchement, c'est très très beau. C'est très très beau ce qu'ils sont en train de faire. D'un côté, Lulu tout à l'heure surprend avec sa vitesse. Et là, la même chose. Lulu qui va prendre... Oh, ouais, du coup, pas mal. Il pense vraiment que le Capcan va être emmerdant. Du coup, il six-pick avec l'IQ. One Shooter qui prend une alibi. Du coup, l'IQ va pas être si worse que ça. Bah oui, c'est ça le problème. Bah oui, t'es tout seul. Donc tu peux te faire backstab. Allez, on va aller sur Lulu. Parce que Mira, je pense que c'est extrêmement intelligent. Alors là, vu la façon dont il le met, c'est extrêmement con. Ah oh, si. T'as le mec qui est dans le jugement absolu. Moi j'aurais mis un renfort à gauche, un seul. Ok. Mira dessus. Et de l'autre côté, un renfort vers la gym. Y'a pas de trap dans le garage. Donc il peut pas face check le garage. Oh, attention à la ligne. Là, s'il avait pré-shot direct. Alors, c'est pas si mal. Comme ça. Vu qu'il est en face check only, il est obligé d'être extrêmement smart. Et il peut pas se permettre, en fait, d'ouvrir une porte
Ou bah salut, il y a quelqu'un qui m'attend avec une petite ligne d'un pixel. Non, et il a été très intelligent. Il ouvre le garage et derrière il attaque à un autre endroit. Et là du coup, là t'as le doute. Tu sais pas où le mec il est. Et là, d'avoir fermé cette porte là de la part de Lulu, c'est pas bon du tout. Ça va être le seul endroit où One Shooter va pouvoir rentrer en sneaky. Et il va même pouvoir utiliser la Mira du mec, de Lulu. Oh, il l'entend pas. Et ouais, et l'erreur énorme. Il y avait aucun intérêt à fermer cette porte là. Oh, il peut péter au-dessus et balancer ses grenades. Oh là là, c'est smart. Pète au-dessus de la Mira, pète au-dessus de la Mira. Et envoie ta Pokéball, poulet. Oh là là, il l'entend, il l'entend, il l'entend, il l'entend. Il l'a fait à droite. Ah. Ah. Bien joué de la part de ce One Shooter. Oh mon dieu. Oh mon dieu que c'est stressant. Pas de caméra, pas de renfort. Ah oui, pas de renfort. Ouf. Ah, que tes couilles, quoi. T'as, c'est chaud. C'est... Là, tu joues avec une arme. Y'a que ton arme qui compte. Pas de gadget, hein, tout simplement. Boum. En parlant de gadget. Pas de Pokéball. Égal gadget. Ah putain. Oui, pas de Pokéball, putain. Ah oui. Radioactif. Arrêtez. Bien joué à lui, bien joué. En fait, j'aurais jamais dû prendre la SOG. Et Lulu qui reprend l'avantage. Donc là, c'est reparti. Et donc, One Shooter retombe en plus 1 à balle de match. Donc, il peut terminer là-dessus. La seule chose, il a pas le droit de rentrer. Voilà. Et il le fait très bien. J'adore les voiliers. J'adore les voiliers, putain, ouais, c'est vrai. Allez, c'est parti. C'est peut-être le dernier round. Ah, sympa, très fair play de la part de One Shooter. Là, il y va en mode. Il a pris une petite ligne. Ah non, il est en train de regarder les cams, Lulu. Lulu a le droit. Hein. Et il a le droit de mettre les Jaeger qu'il a mis pour counter les grenades de One Shooter, ce qui est très intelligent. C'est ce qu'a dû le faire chier tout à l'heure sur le garage, bien évidemment. Oh ! Oh, le turn ! L'énorme turn de la part de Lulu. Et boum, overtime. Balle de match. Et de ma mère, je vais sortir pour avoir son drone. Encore 10 secondes. Ah non, pas de risque. Pas de risque. Yes ! Let's go ! Et c'est Lulu qui l'emporte ! GG ! Oh, le face check ! Il a voulu sneaky biki, mais sans droner pour le coup. Dommage, à mon avis, il pensait pas du tout qu'il allait être là. Et du coup, c'est Lulu qui l'emporte sur le compte, sur le score de 6 à 5. Lulu avance. Malheureusement, c'en est terminé de One Shooter.